Coffee Break French Season 3 Episode 19. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Coffee Break French. Welcome once again to Coffee Break French. Over the past few weeks, we've been with Katie and she's been telling us about her trip to the Cannes Film Festival. However, it's not only Katie who has some exciting news. In this week's episode, we find out about Veronica and how she's been getting on on the Côte d'Azur. And she too has some exciting news about where she's going to be heading in the coming week. Alors, on va commencer maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti! As usual, we're going to begin by listening to Veronica's text in full. After that, we'll pick out a few of the language points to help you understand what Veronica has said. If you'd like a full line by line analysis of Veronica's text, then you can use our special extended version of this podcast. This week, the extended version runs to over 37 minutes, and we'll be going through everything in great detail, helping you understand all the aspects of the subjunctive and also talking about transitive and intransitive verbs. Vous pouvez en savoir plus sur la version étendue et les autres documents membres à coffeebreakfrench.com. Retournons à Veronica's texte we'll et nous allons écouter sa présentation maintenant. Bonsoir, mes amis. J'ai eu une journée et une semaine très chargées, donc j'écris ce journal très tard. En fait, je suis une mauvaise élève cette semaine. Je n'ai pas fait mes devoirs pour ma classe de français. Désolée, Sandrine. Voilà pourquoi j'écris mon journal si tard ce soir. Et c'est promis, il y aura des subjonctifs cette semaine. Vous vous souvenez de la maison dont je vous ai parlé la semaine dernière La propriétaire était en vacances la semaine dernière. Donc, je n'ai pas pu voir la maison. Elle m'a appelé ce week-end et m'a invitée chez elle hier. Elle s'appelle Gabrielle et elle est très sympa. Le courant est bien passé entre nous. Et quelle maison alors Elle donne sur le port de Monaco et on peut voir tous les bateaux des millionnaires dans le port. Hier, il y avait aussi des enfants du club nautique qui faisaient du canoë dans le port. J'en faisais moi-même quand j'étais petite. Et Jessica en fait toujours mais je devrais quand même vous parler de la maison elle était très belle un grand salon une cuisine très élégante et cinq chambres chacune avec salle de bain privée mon client veut que la maison ait assez de chambres pour qu'il puisse inviter des amis et de la famille donc Parfait! Il y a aussi un grenier que Gabriel et son mari ont aménagé en cinéma, avec grand écran, projecteur et fauteuil. La totale! Tout ce qui manquait, c'était le pop-corn. Le mieux, quand même, ce n'était pas le cinéma, c'était la grande terrasse avec piscine et vue magnifique du port. Je me suis très bien entendue avec Gabrielle et nous avons causé pendant une bonne heure. Elle est en fait coach de vie et elle a un site web à travers lequel elle offre des conseils à ses clients. Elle a des clients intéressants. Il semble que les monégasques aient bien besoin du coaching. Mais le plus intéressant de tout, elle m'a expliqué que le Grand Prix de Monaco va avoir lieu la semaine prochaine et qu'elle fait une fête pour quelques-uns de ses clients sur la terrasse le dimanche après-midi pour qu'ils puissent regarder le Grand Prix et profiter de l'ambiance passionnante. Et elle m'a invité. Alors, ce dimanche... Je vais faire la fête à Monaco. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous tiens au courant. So, it seems that it's not just Katie who's living it up on the Côte d'Azur. Veronica is off to the Grand Prix de Monaco, the Monaco Grand Prix, Formula One Motor Racing. Monica begins by saying Bonsoir, mes amis. She says that she's had a very busy day and indeed a very busy week. And that's why she's writing her journal late. J'ai eu une journée et une semaine très chargée. Donc, j'écris ce journal très tard. And in fact, Veronica says she has been une mauvaise élève this week. A bad pupil, a bad student. Why? En fait, je suis une mauvaise élève cette semaine. Je n'ai pas fait mes devoirs pour ma classe de français. Désolée, Sandrine. She says, Je n'ai pas fait mes devoirs pour ma classe de français. I have not done my homework for my French class. And she says, Sorry, Sandrine. Désolée, Sandrine. And she promises us something. Et c'est promis. Il y aura des subjonctifs cette semaine. In English, it sounds a little funny to say, It's promised. I suppose we could say something like I guarantee that there will be some subjunctives this week. Ok, so Veronica goes on to talk about the house that she spoke about last time. Vous vous souvenez de la maison dont je vous ai parlé la semaine dernière Veronica explains that la propriétaire était en vacances la semaine dernière. La propriétaire était en vacances la semaine dernière. Donc, je n'ai pas pu voir la maison. La propriétaire is of course the owner. And she was en vacances, on holiday, on vacation, la semaine dernière. And Veronica therefore says, Je n'ai pas pu voir la maison. I was not able to see the house. Literally, I have not been able to see the house. However, Elle m'a appelé ce week-end et m'a invité chez elle hier. So she called me this weekend. And she invited me to her house yesterday. Let's have a listen to what Veronica says about this lady who's called Gabrielle. Elle s'appelle Gabrielle et elle est très sympa. Le courant est bien passé entre nous. So she says, elle est bien sympa. She's really nice. Le courant est bien passé entre nous. This is a nice expression that you can use. When you have got on well with someone, if you've met them for the first time and you really clicked, you, you got on well immediately with someone. Le courant est bien passé entre nous. Et quelle maison alors? Elle donne sur le port de Monaco et on peut voir tous les bateaux des millionnaires dans le port. So this house does indeed sound rather impressive. Elle donne sur le port. The house looks out onto the harbor in Monaco. Et on peut voir tous les bateaux des millionnaires dans le port. And one can see all the boats of the millionnaires in the harbour or in the port. So let's have a listen to the description of this fantastic house in Monaco. Elle était très belle. Un grand salon. Une cuisine très élégante. Et cinq chambres. Chacune avec salle de bain privée. So, this part is fairly straightforward. Elle était très belle. It was very beautiful. Un grand salon. So, a big living room, a big lounge. Une cuisine très élégante. A very elegant kitchen. Et cinq chambres. Chacune avec salle de bain privée and no fewer than five bedrooms all of which had their own private bathroom. mon client veut que la maison ait assez de chambres pour qu'il puisse inviter des amis et de la famille donc parfait. now he wants that the house have enough bedrooms il veut que la maison ait assez de chambres. Et is the subjunctive form of avoir so la maison est et il veut que la maison ait assez de chambres in order that he is able to invite friends and family pour que in order that pour qu'il puisse from pouvoir pour qu'il puisse inviter des amis et de la famille il y a aussi un grenier que Gabriel et son mari ont aménagé en cinéma avec grand écran, projecteur et fauteuil. La totale. So, there's also a grenier, that's an attic or a loft. And Gabriel et her husband have changed this, have converted this into a cinéma. And it gets better. Because the best part was not the cinema. Le mieux quand même, ce n'était pas le cinema. C'était la grande terrasse avec piscine et vue magnifique du port. So it was the big terrace with a swimming pool and a magnificent view of the port or the harbour. Now, she says that she got on very well with Gabrielle. Je me suis très bien entendue avec Gabriel et nous avons causé pendant une bonne heure. She could equally have said here et nous avons bavardé pendant une bonne heure. Causer, bavarder, mean to chat. She tells us a little about Gabriel's work. Elle est en fait coach de vie et elle a un site web. à travers lequel elle offre des conseils à ses clients In fact it sounds like Gabrielle is similar in a sense to Veronica she has a life coaching website à travers lequel elle offre des conseils à ses clients by way of which she offers some advice to her clients But the most interesting thing of all Mais le plus intéressant de tout, elle m'a expliqué que le Grand Prix de Monaco va avoir lieu la semaine prochaine et qu'elle fait une fête pour quelques-uns de ses clients sur la terrasse le dimanche après-midi pour qu'ils puissent regarder le Grand Prix et profiter de l'ambiance passionnante. Now, that's quite a long and challenging sentence. Let's split it up. Mais le plus intéressant de tout, elle m'a expliqué que le Grand Prix de Monaco va avoir lieu la semaine prochaine. She explained to me que le Grand Prix de Monaco, that the Monaco Grand Prix, va avoir lieu la semaine prochaine, is going to take place next week. And She is going to be having a party, et qu'elle fait une fête, pour quelques-uns de ses clients, for some of her clients, sur sa terrasse, on the terrace, on her terrace, that's the wonderful terrace with the swimming pool, looking out over the, the harbour, le dimanche après-midi, on the Sunday afternoon, and that is of course the most important part of the Grand Prix weekend, and the final takes place. So she's having this party so that the clients, her clients, can watch the Grand Prix and take advantage of the exciting atmosphere. Gabrielle has invited Veronica to this party. Elle m'a invité. Alors ce dimanche, je vais faire la fête à Monaco. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous tiens au courant. So this weekend, Veronica is partying in Monaco and she'll keep us informed. Je vous tiens au courant. So it's time now to listen again to the whole text and hopefully this time you'll understand much more. Bonsoir mes amis. J'ai eu une journée et une semaine très chargée. Donc j'écris ce journal très tard. En fait, je suis une mauvaise élève cette semaine. Je n'ai pas fait mes devoirs pour ma classe de français. Désolée, Sandrine. Voilà pourquoi j'écris mon journal si tard ce soir. Et c'est promis, il y aura des subjonctifs cette semaine. Vous vous souvenez de la maison dont je vous ai parlé la semaine dernière La propriétaire était en vacances la semaine dernière. Donc, je n'ai pas pu voir la maison. Elle m'a appelé ce week-end et m'a invité chez elle hier. Elle s'appelle Gabrielle et elle est très sympa. Le courant est bien passé entre nous. Et quelle maison alors? Elle donne sur le port de Monaco et on peut voir tous les bateaux des millionnaires dans le port. Hier, il y avait aussi des enfants du club nautique qui faisaient du canoë dans le port. J'en faisais moi-même quand j'étais petite. Et Jessica en fait toujours. Mais je devrais quand même vous parler de la maison. Elle était très belle. Un grand salon, une cuisine très élégante et cinq chambres. Chacune avec salle de bain privée. Mon client veut que la maison ait assez de chambres pour qu'il puisse inviter des amis et de la famille. Donc, parfait. Il y a aussi un grenier que Gabriel et son mari ont aménagé en cinéma. Avec grand écran, projecteur et fauteuil. La totale. Tout ce qui manquait, c'était le pop-corn. Le mieux quand même, ce n'était pas le cinéma, c'était la grande terrasse avec piscine et vue magnifique du port. Je me suis très bien entendue avec Gabrielle et nous avons causé pendant une bonne heure. Elle est en fait coach de vie et elle a un site web à travers lequel elle offre des conseils à ses clients. Elle a des clients intéressants. Il semble que les monégasques aient bien besoin du coaching. Mais le plus intéressant de tout, elle m'a expliqué que le Grand Prix de Monaco va avoir lieu la semaine prochaine et qu'elle fait une fête pour quelques-uns de ses clients sur la terrasse le dimanche après-midi pour qu'ils puissent regarder le grand prix et profiter de l'ambiance passionnante. Et elle m'a invité. Alors, ce dimanche, je vais faire la fête à Monaco. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous tiens au courant. You've been listening to this short version of Lesson 19 in Season 3 of Coffee Break French. Once again, if you'd like a line by line analysis of the full text, in which we consider a number of examples of the subjunctive, and we also take a closer look at transitive and intransitive verbs, and the use of the word passé, especially in the perfect tense, then you can use our extended version. That forms part of the premium materials for this lesson. In addition to the extended version, you also get our full lesson guide, which is available both in PDF format and also EPUB format for iOS devices like iPads, iPhones, and iPod Touches. There's more information at coffeebreakfrench.com. Next time, we're going to be doing something of a review of lots of the grammar that we've learned over the course of the first 20 lessons in Season 3. Until then, merci beaucoup et à la prochaine! Was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.